Malgré la pluie torrentielle, plus de 30 000 spectateurs assistent à Colombes au match Girondins-Lens, comptant pour la finale zone nord, zone interdite de la Coupe de France. Le terrain lourd avantage les nordistes et bientôt une échappée de cyclos va leur permettre de compter le premier but. Mais les Girondins réagissent. Leurs attaques se succèdent et un centre de Neumeur, faiblement repoussé par Evin, donne à Arnaudot l'occasion d'égaliser. Les Bordelais sont déchaînés et malgré une défense désespérée, Evin devra encore concéder un but. Vainqueurs par 2-1, les Girondins joueront la grande finale contre Marseille.